Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On jase, édition du 19 mars 2021. Martin Lemay avec vous, en compagnie de l'excellent Tartampion, Yannick Lévesque. C'est mieux Tartampion que Tarte. J'ai eu peur là, au début. C'est ton expression, ça, Tartampion. Gros show. Mais aujourd'hui, on va mettre la table pour deux matchs canadiens Canucks. Ça va avoir lieu vendredi et samedi. Et aujourd'hui, c'est un show que ça fait longtemps que lui le réclame, Marc Denis, en parlant des haters, ceux qui aiment hate, qui détestent. Il y a des sujets polarisants, comme le sujet de Carey Price. Maintenant, on a le sujet de la prolongation. Puis souvent, Marc Denis disait, j'aimerais ça m'amener qu'on aille le Doc Guimond pour poser des questions. Bien, regardez, hein, on l'a écouté, notre Marc Denis. Fait qu'on va voir et Marc Denis pour parler de la partie et Marc Denis en temps double avec le Doc Guimond pour jaser de ça, le phénomène des haters, les sujets polarisants. Donc, un gros show aujourd'hui, un show Marc Denis de A à Z. J'espère qu'il est en forme. Puis en plus, avec lui, on va parler de cette belle nouveauté aujourd'hui qu'RDS a lancée avec TSN, la vision 5G. On va en parler dès le départ. Gros week-end, tu l'as dit, Canadiens Canucks ce soir et demain. Par la suite, place aux Oilers la semaine prochaine. Donc, beaucoup de hockey dans les prochains jours. Et le Canadien, ben, doit gagner. Puis on va en jaser si ça te tente, mon Martin. Es-tu prêt immédiatement? On va-tu rejoindre Marc? Chou, j'aime ça quand on perd pas de temps. Parfait. Salut Marc, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Gros week-end? Ouais, quand même, gros week-end. On avait parlé là, lorsque le Canadien a eu sa semaine de congé, comme les Leafs qui viennent de terminer la leur, là, Ottawa qui tombe en 4 jours de suite de congé. Tu sais, tu payes cher pour, puis c'est une division à 7 équipes. Hein? Fait qu'il y en a une sur la touche lorsque les 3 autres jouent des mini-séries. Le Canadien au cœur donc de cette dernière mini-série. La bonne nouvelle pour certains, la mauvaise pour d'autres, peut-être pour le Canadien, c'est fini. Là. Après, demain soir, c'est terminé les Canucks de Vancouver. Les 9 matchs contre cette équipe-là vont avoir été disputés. Et les 2 derniers se jouent coup sur coup à domicile pour le Canadien. Je sais qu'on va y revenir. Là. À domicile, ça commencerait à être le temps là, que le Canadien se déjeune. Exact. Ouais. Hey, là, je veux régler une affaire immédiatement. Il y a plein de gens qui écrivent déjà et qui sont contents parce que j'ai pas mis le chandail rétro du Canadien, le bleu. Aujourd'hui, j'ai mis le rouge parce que là, j'avais la pression des auditeurs. À chaque fois, je mets le bleu, le Canadien perd. Donc là, j'ai pas pris de chance ce matin. J'y ai pensé. J'ai dit, je mets-tu le bleu juste pour faire provoquer un peu? Genre, non, je vais mettre le rouge. Je veux que le Canadien gagne. C'est rendu, moi, je suis pas superstitieux. Là. Je suis rendu aussi superstitieux que nos auditeurs. Donc, je veux les saluer. J'en ai plusieurs qui rentrent d'ailleurs. Hey, les gars, avant de parler du match, on va parler de cette nouveauté ce matin que à la fois RDS et TSN ont annoncé en même temps. C'est une nouvelle technologie qui va être lancée officiellement ce soir. D'ailleurs, Marc, durant votre match Canadien Canucks sur les ondes de RDS, c'est la vision 5G. Si ça vous tente, là, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo d'une minute qui explique en général, et par la suite, Marc, tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus en détail à quoi on aura droit dès ce soir, mais on écoute ça pour le moment. RDS a un moyen de changer la façon dont vous regardez le sport. Désormais, vous pouvez contrôler l'angle de chaque jeu avec Vision 5G RDS. Il est disponible pour les abonnés RDS sur un réseau Bell 5G avec des appareils 5G. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir l'application RDS et choisir votre match. La vision 5G RDS vous permet de voir l'action sous tous ses angles. Déplacez votre doigt vers la gauche ou vers la droite afin de choisir l'angle voulu. Vous pouvez également effectuer un zoom pour regarder le jeu de plus près ou même mettre en pause le match en direct et le remettre à n'importe quel moment souhaité. Utilisez cette nouvelle technologie à tout moment pendant le match en direct ou même après que celui-ci soit terminé avec la section vidéo sur demande. Cela va au-delà de simplement revoir l'action. Vous assumez le rôle de réalisateur. Les 80 caméras sur place sont à votre disposition. Vision 5G RDS vous donne le pouvoir de contrôler l'angle de chaque jeu et il est désormais disponible exclusivement sur l'application RDS. Alors, c'est une belle innovation, Marc, puis toi aussi, je pense, tu vas pouvoir même te servir de ça durant la retransmission. Raconte-nous un petit peu là, ce nouveau produit là, qui est offert aux gens. Hey, j'avais tellement hâte de me délier la langue. Tu sais, je pense que j'avais signé 8 ententes de confidentialité pour ne pas en parler. Moi, là, ce que je retiens dans ce qui vient d'être dit, là,
80 caméras qui ont été installées au Centre Bell. Il y a déjà des tests qui ont été faits. Vous avez vu les images que ça peut donner. C'est pas compliqué, là. C'est l'expérience immersive ultime pour le téléspectateur. Tu sais, là, la tronche de hockey que je suis, là, Martin, là, le nerd de hockey que je suis, c'est Noël au mois de mars pour moi, parce que là, c'est pas compliqué. Tu sais, les fameuses reprises où on se dit « Regardez la belle passe », puis là, de l'autre côté, est-ce qu'on l'a attrapé? Est-ce que ça a frappé le poteau, le gardien? Est-ce qu'il y a un... Pas de problème. On change pas de reprise. On change d'angle de caméra et on vous amène en direct voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette reprise-là. Évidemment, vous aurez compris, c'est pas à tous les sifflets qu'on va avoir des reprises aussi exhaustives. On va essayer de maîtriser la technologie, bien évidemment. Mais c'est la première fois que ça va se faire en direct par un télédiffuseur canadien. Ça s'est vu dans la NBA, dans la NFL. Je suis sûr que les mordus de sport l'ont déjà vu. Mais dans un sport aussi rapide que le hockey et en direct, là, c'est la première fois que ça va être fait pendant le match du Canadien. On va essayer de vous en donner au moins une fois par période des reprises. Ça prend des jeux qui valent la peine d'être vus sous d'autres angles aussi, parce que des fois, la bonne vieille reprise d'un angle, d'une bonne caméra isolée, ça fait le travail aussi. Fait que c'est ça, là. Vous avez compris que je trippe un peu parce que, écoute, c'est un outil de plus dans mon coffre à outils. Moi, ce que je veux faire le plus dans ma vie là, comme analyste, là, c'est la valeur ajoutée. C'est d'amener la personne qui est chez elle, qui veut en voir plus, comprendre mieux ou illustrer. Bien, moi, je pense que là, on va avoir des outils. Puis quand je dis « moi », là, moi, je suis le messager au bout du compte parce qu'on a toute une équipe qui vont identifier, découper ces reprises-là, vous montrer les images et les meilleurs angles. Je le répète, là, 80 caméras de plus. Pas une ou deux. Wow. 80 caméras de plus au Centre Bell. J'ai hâte de voir le résultat en direct. J'ai vu évidemment le résultat. Vous avez vu celles qu'on vient de vous montrer aussi qui ont été montées pour la vidéo promotionnelle, mais j'ai bien hâte que ça passe à l'action dès ce soir. Ma première pensée est pour Steph Fauché, qui est réalisateur du hockey, puis au lieu de coller dans 3, 2, 1, la 2, là, ça va être dans 3, 2, 1, la 74, s'il vous plaît. Joke à part. Il y en a un dans le drone qui va travailler fort. Oui, mais vas-y. Tu sais, Martin, ce sont pas des caméras, ces 80 caméras-là, ce sont pas des caméras sur lesquelles on va découper pendant, entre guillemets, en langage, en play-by-play, là. C'est ça. Pas en télévision, en direct. C'est vraiment pour les reprises. Donc, ces caméras-là forment une image, dans le fond, de 80 angles différents. C'est pas la caméra qui suit le jeu que vous allez voir ou la caméra qui découpe dans le coin ou celle qui est derrière le gardien. Toutes ces caméras-là, on n'a pas enlevé, là. On a rajouté 80. Fait que c'est un peu différent. Fait que Stéphane, il coupera pas à 83, là, 74. Il va encore couper à ses caméras régulières. Mais les reprises, celles-là, par exemple, vont pouvoir se déplacer pour aller parfois derrière le joueur, parfois de l'autre côté du gardien. Écoute, j'ai hâte de voir ce qu'on va être en mesure de faire là, lorsque Jake Allen va faire son premier arrêt spectaculaire ou quand le Canadien va marquer un but. Là. Peut-être on l'espère le plus vite possible dans le match pour qu'on soit capable, nous autres aussi, de sauter dans la piscine. Exact, je faisais une joke. D'habitude, contre les Canucks, c'est en marque des buts. Oui, je faisais une joke pour le 82, mais... Ah non, je sais. La première affaire que moi je pense, c'est tourner la caméra. Tu sais, quand on dit, pas certain qu'Harry Price l'a vu celle-là, ou le gardien l'a vu, on va pouvoir se mettre en angle derrière lui pour voir qu'est-ce qu'il voyait pour vrai et les passes. Tu sais, des fois, on va dire, Colin, il y avait un gars là au bord, il l'a pas vu. On va pouvoir tourner. Ouais. Ça, j'adore. C'est la première affaire que j'ai pensé, Marc. Puis là, de ce que je comprends, de ce que tu as dit, ça commence à soir? Oui, c'est ça. C'est pas un lancement. On l'annonce aujourd'hui, ça se passe dans un mois. Là. C'est ce soir, pendant le match. Puis ça se fait à Montréal, là. Tu sais, c'est un gros projet de Bell Media, mais ça se fait à Montréal, à RDS, pour un match canadien. Ça se passe pas ailleurs, à Toronto. C'est pas une affaire qu'on entend parler à New York ou une technologie au Japon, là. C'est chez nous, là. On fait ça à soir, ce soir, pendant le match. Il va en avoir. Je sais que Ben puis Mario devraient l'utiliser aussi pendant les entraques. Fait que, tu sais, vous allez en avoir, là, 4, 5, 6, je sais pas combien au total ce soir. Vous allez en avoir de ces reprises-là. C'est bon. Je sais que vous allez pouvoir jouer de votre côté avec votre application. Si vous avez la technologie 5G puis les appareils, là, tout ça, moi, je suis moins... comment je te dirais ça? C'est moins mon champ d'expertise, mais vous allez être en mesure de le faire. Mais en même temps, là, pendant le match, quand vous allez vous asseoir puis regarder le match à RDS, là, c'est quelque chose de plus. C'est immersif. C'est pas interactif, c'est immersif. Avec votre téléphone, c'est interactif. C'est vous autres qui allez décider. À RDS, on vous amène avec nous autres dans l'action au Centre Bell quand il y a personne qui peut le faire. Sais-tu ce que je retiens de ça, là, sur nos téléphones? Tous ceux qui ont des jeunes, des ados, tu sais, comme moi, c'est mon cas, là, c'est eux autres qui vont nous montrer comment ça fonctionne. Parce que nous autres, je suis un peu comme toi, Marc, je suis pas monsieur technologie, là, mais les ados, eux autres, ils vont pogner ça vite, crois-moi, je suis à peu près sûr. Puis il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Là. Eux autres, c'est sûr qu'ils vont triper avec ça. Là. Étienne Huot, il dit sur la page de Orgeance, il dit « Les joueurs vont en profiter, on va y voir sur le banc avec leur iPad en train de tourner ça, le 5G. »
Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'on a la même alimentation là, pour les images, mais peut-être qu'on va avoir des joueurs jouer avec les 80 caméras. C'est bon. Wow. Ah ben c'est j'ai hâte de voir ça. Vas-y, Yann. Ouais. Ben en fait, est-ce qu'on parle un peu du match de ce soir? Tu l'as effleuré, le sujet, on va engraisser un mot vite au début, là, mais le Canadien a confirmé ce matin que c'est Jake Allen qui sera devant le filet ce soir. C'est un peu prévisible, là. On s'attendait à voir Allen ce soir et Price demain, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là, Marc? Non, pas de surprise, ça aurait pu être inversé aussi. En même temps, avec Sean Burke qui était sur la glace pour une première fois à Brassard ce matin, pour l'entraînement, c'est peut-être bien. Ça va donner le temps à Price d'avoir une journée supplémentaire. Puis il ne faut pas oublier qu'il a quand même terminé le voyage, là, Price. Là, il a joué pendant ce voyage-là un peu plus que depuis le début de la saison. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Le Canadien qui s'est déplacé hier, ils ne sont pas revenus à Montréal après le match contre Winnipeg. Ils ont dormi à Winnipeg et sont revenus à Montréal hier. Alors, c'était la première journée d'entraînement. Là, encore là, pas un entraînement très intensif, beaucoup plus en préparation pour les Canucks ce soir. Donc, c'est peut-être bon là, pour Price d'avoir une journée supplémentaire. Dans le cas d'Allen, écoute, il fait vraiment pas mal. Il va disputer ce soir son 300e match. Ça va faire partie d'un de nos sujets d'ouverture, là, le duel Allen et Demko à Pierre et moi dans Hockey 360. Mais, tu sais, il joue pas mal, mais il doit retrouver le chemin de la victoire. C'est un peu comme le Canadien. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu es responsable de tes résultats. Puis c'est la même chose dans le cas de Allen. Un match solide pour lui. Puis j'espère que l'équipe va jouer une bonne rencontre aussi devant lui. Pour son 300e. Alors, c'est Jake Allen qui obtient le départ aujourd'hui, Price demain. Avec deux matchs en 24 heures, puis au retour d'un voyage comme ça, c'était certain que les deux gardiens de but allaient être utilisés. Là, puis on a eu la confirmation il y a quelques minutes que Allen ce soir et Price demain, non. Oui, je trouve ça correct. Saturday, Carey Price, c'est correct. Puis on revient du long voyage. Jake Allen, tout est correct de ce côté-là également. Qui est reposé. Le Canadien qui... Tu sais, hier, là, j'étais capitaine positif, puis là, ça gossait le monde. Marc, tu sais, je leur disais, regarde, le Canadien, c'est important avant qu'il parte de Montréal. Il avait pris la fiche de 500. L'équipe du Canadien, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs sur la route. Le dernier voyage a été difficile dans le sens que tu partais le dimanche, tu jouais le lundi. Il y a eu le match de mercredi à 11h, puis tu jouais le lendemain. Dans les circonstances, tu sors de là avec 500. C'est super bon. Et là, toi, tu en parlais tantôt avec Yann, tu sais, 17 des 27 matchs se passent à Montréal. Et en plus... contre des équipes, je trouve, qui match-up bien avec Canadiens. Canadiens, là, ils n'auront pas les Flames en face. C'est les Canucks, ce vendredi, samedi. Après ça, les Oilers, qui vont, tu sais, aussitôt qu'ils vont tirer de l'arrière, vont se mettre à ouvrir le jeu. Le Canadien peut profiter de ça. Je trouve que c'est des match-ups que le Canadien peut profiter. Oui, puis, tu sais, les confrontations, Martin, je veux pas arroser ton feu, là, mais, tu sais, les confrontations sont celles qu'on connaît. On va jouer tout le temps contre les mêmes équipes. Tu sais, c'est la réalité de la chose. Mais quand tu en joues 17 à domicile, il faut que tu te bâtisses une réputation d'une équipe qui est difficile à venir battre ici. C'est dur de venir à Montréal et d'aller chercher des victoires. C'est pas vraiment le cas. Comme tu dis, c'est celle qui a joué le plus à l'étranger, le moins à domicile, le Canadien jusqu'à maintenant. Mais c'est aussi, avec les Sénateurs d'Ottawa dans la Division Nord, celle qui a le plus de difficultés à domicile au niveau des résultats. Fait que tu essaies de bâtir là-dessus, de te bâtir cette crédibilité, cette réputation d'une équipe qui gagne des matchs à domicile. Puis si tu réussis à le faire, tu vas être des séries éliminatoires. Tu sais, la dernière chose que je veux faire, là, puis moi aussi, je suis capitaine positif parce que les gens ont comme oublié. C'est comme s'il n'y a personne qui a parlé que le point que le Canadien est allé chercher leur a permis d'accentuer leur avance en séries éliminatoires. Puis là, je vous l'annonce aujourd'hui, là, enregistrez-le. Le Canadien va falloir qu'il batte deux des trois équipes suivantes, Edmonton, Toronto, Winnipeg, pour sortir de sa division. On le sait, à moins qu'une de ces équipes-là s'effondre lamentablement d'ici la fin de la saison, on connaît les quatre équipes qui vont participer aux séries éliminatoires. C'est la réalité d'un calendrier de 56 matchs. C'est sûr que c'est une équipe là qui, ça fait boule de neige, des blessés, puis en perd 8 de suite, on se reparlera, là. Mais on voit où on est rendu. Et le Canadien gagne un match, retombe troisième, ou peut-être même deuxième, en perd un, revient au quatrième rang, mais ça s'échange juste les rangs. Il va falloir que tu battes deux de ces trois équipes-là. Ça, c'est pas, t'sais, c'est ça la réalité. Il faut que tu gagnes tes matchs, évidemment, pendant la saison pour te rendre là. Donc, moi, je panique pas, puis je me dis d'aller chercher 3 points sur 4 à Winnipeg. T'sais, c'est assez positif. Maintenant, les deux matchs à Calgary, je suis d'accord avec ceux qui préfèrent critiquer. Là, ils n'étaient pas là. Ils ne se sont pas présentés, ils n'étaient pas là. Pas bon. Il y en a un, je leur donne un mulligan, l'autre. C'est ça. Il y en a un, je leur donne un mulligan, puis l'autre, je me dis qu'ils ne se sont pas présentés. Les deux matchs à Calgary, ça a été difficile, puis c'est un style qui ne convient pas toujours aux Canadiens. De jouer dans les tranchées de façon serrée, très robuste, des batailles le long des rangs. Puis, ce qui arrivait aussi depuis le début de la saison jusqu'à il y a peut-être deux semaines,
le Canadien était comme assez bien installé. Tu sais, il y avait comme les quatre positions de tête, puis là, tu avais les autres. Sauf que là, les autres, ils ont commencé à gagner des matchs, puis se sont rapprochés. Je sais que le Canadien a encore des matchs en main, mais là, tu regardes en avant, mais tu es obligé de regarder en arrière. Fait que là, tu peux pas partir sur une mauvaise séquence. Il faut pas, là. Il faut absolument que tu ailles chercher au moins toujours 500 et plus comme fiche pour à chaque semaine pour assurer ta place dans le top 4. Là. Parce que ça va venir vite, les séries, bon, ça va arriver vite le 8 mai, là, quand même. Là. Yannick, tu as raison. Mais je vais en rajouter une couche. Le Canadien, malgré ça, ont accentué leur avance au pourcentage de points. Parce que là, on regarde je dirais pas qu'on le regarde de la mauvaise manière, mais quand on regarde les points au classement, ça s'est resserré. Mais quand on regarde le pourcentage d'efficacité, là, le Canadien est encore mieux positionné qu'avant ce voyage-là. Ils ont accentué cette avance-là. Parce que les Canucks, là, c'est 4 matchs en main sur les Canucks. T'es bas 2 fois, c'est fini, ils sont éliminés. T'sais, t'es correct, c'est ça. Je suis pas trop inquiet. Ils perdent leurs 2 matchs en temps réglementaire, le Canadien. On va avoir un discours différent lundi. Je suis là lundi à Ongeance, d'ailleurs. Là. On aura un discours différent, puis je me corrigerai. Mais la réalité de la chose, c'est que tu gardes le rythme pour l'instant. Non, mais c'est ça, le hockey. Tu sais, t'as un plan de match jusqu'à temps que ce soit une claque à Margoulette. Jusqu'à temps que ça change. Mais, tu sais, moi, je suis pas trop inquiet. Puis arrêtons de regarder les points au classement parce qu'il y a une disparité au niveau des matchs joués. Regardons le pourcentage d'efficacité, le pourcentage de récolte de points. Puis assurons-nous de jouer un meilleur hockey. Ça n'a pas été parfait. Ça n'a pas été 60 minutes, le Canadien, à Winnipeg dans le deuxième match. Mais les 27 dernières minutes, là, je prends ça n'importe quand, moi, du Canadien. Là. Surtout les 20 dernières minutes. Puis Dominique Ducharme, regarde, on peut revenir là, sur qui joue en prolongation. Je sais que vous l'avez fait là, de toute façon, mais hey, c'est lui qui a décidé de couper son banc, qui a décidé d'asseoir Armia, qui a mis les bons joueurs, qui a préparé sa fin de match, qui l'a planifié pour que les bons joueurs soient là quand Price était retiré. C'est comme si on l'oubliait. Tu sais, après ça, en période de prolongation, là, c'est un concours d'habileté. Puis sans Matthews, McDavid, puis Kyle Connor, le Canadien, ça se peut qu'il parte un peu en retard contre ces équipes-là qui ont beaucoup de talent. Là. D'ailleurs, tu sais, Marc, ça fait longtemps que tu demandes un show où on va parler des sujets polarisants, des haters. Le nouveau sujet polarisant n'est pas un joueur. Le nouveau sujet polarisant est la prolongation. Et par le fait même, le coach qui envoie Philippe Dano. Fait que là, c'est Dano qui passe au bat. C'est Barron, c'est Ducharme. Ça, c'est le nouveau sujet polarisant. On a lâché Price pour celle-là. Et moi, j'ai dit aux gens... Tu sais, puis il n'aime pas ça, le fameux « si », tu sais, avec des « si, on va à Paris », « si ma mère avait des couilles, ça serait mon père ». Ouais, c'est ça. Fait que là, je me l'ai tout fait dire, tu sais, mais si Petrie la met dedans au début de la prolongation, il n'y en a pas un qui appelle pour chialer pour dire que c'était Barron puis Dano au début, là? Non, puis tu sais, on peut l'analyser de plein de manières. Philippe Dano, ça a été ton meilleur attaquant dans ce match-là, et lui-même a connu peut-être un de ses meilleurs matchs. C'est ta meilleure chance de gagner la mise en jeu aussi. Byron, là ça, t'as-tu une demi-heure, il faut que je te parle 2 minutes, là. Je pourrais en parler longtemps. Moi, je ne l'aurais pas vu là, je ne l'aurais pas mis là, mais regarde, on peut en débattre d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai regardé le but 15 fois, OK? Philippe Dano, là, il prend le contrôle de la rondelle, il alimente Petrie et il récupère la rondelle. Est-ce qu'après l'avoir récupéré, là, il a changé trop lentement pour Jonathan Drouin? Est-ce qu'il est blanc comme... Non. Mais le seul sur qui on s'entend tous qui a l'affaire à jouer en prolongation, puis il y en a certains qui voudraient le voir 4 minutes et demie sur 5 en prolongation, dont moi ici, là, Jeff Petrie, c'est lui qui a commis l'erreur. Puis je suis pas en train de dire que le Canadien a perdu à cause de Jeff Petrie. C'est pas ça que je dis, mais pas tout. Mais, tu sais, il est seul, il peut la passer à Toffoli, il peut la repasser à Price, il peut sortir... Quand il reçoit la rondelle, là, les 3 joueurs sont loin de lui. Il fait dos au gardien de but à la boc. Il peut sortir de la zone. Il y a des options. Il a décidé de rester dans la zone. Les bonnes intentions, parce que tu ne veux pas permettre aux Jets de changer. Il a essayé de jouer à 1-3, ça l'est fait enlever, puis on sait ce qui est arrivé par après. Fait que, tu sais, on met ça ensemble, là, puis garde, voilà. Mais Max, je vais te poser une question, le joueur. Tu sais, t'étais dans cette situation-là. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça, une série de défaites comme ça, en prolongation, mais jusqu'à quel point, parce que nous autres, on le dit, puis on l'a dit cette semaine, je pense que c'est hier, j'en parlais, je disais, ça le joue dans la tête, veut, veut pas. Jusqu'à quel point c'est ça le joue dans la tête, puis jusqu'à quel point que vous en parlez dans le vestiaire, tu sais, quand là, ça fait 8 en ligne, là, la prochaine prolongation, c'est sûr que ça le joue dans la tête, mais jusqu'à quel point? T'as pas besoin d'en parler. Puis c'est drôle, hein, le doc, s'il n'est pas connecté, là, s'il n'est pas en ligne, il va l'être, ça ne sera pas long, je suis certain, on y en parlera, là. Mais ça, là, c'est le sentiment du
Here we go again. Fait que, tu sais, t'as pas besoin d'en parler, mais je vais donner un exemple, là, moi, que j'ai déjà vécu à Columbus. On jouait des matchs, là, tu sais, c'était difficile de rester dans le match. Puis là, on est 2-1, il restait 5-6 minutes, ou 3-2, il restait 5-6 minutes. Puis là, on disait, on est copain d'une punition, on donnait un but égalisateur, puis là, c'était, here we go again. Tu sais, t'as-tu vu là, comment mes épaules ont baissé? Là? Voilà, ouais, ça arrive encore. Bien là, le Canadien, c'est peut-être ça qui se passe. Fait que là, t'as une chance de marquer, t'apprends, tu marques pas, puis là, c'est comme, oh non, pas encore. Bien, c'est juste le temps de dire ça. Jeff Petrie, il a pas pris la bonne décision. Juste le temps de dire ça. Dano puis Drouin, il y a une hésitation dans le changement. Juste le temps de dire ça. Toffoli, il se dit, oh non, je veux pas commettre d'erreur, puis il joue pas bien de 3 contre 1. Price, ferme pas les jambes. Tu sais, juste le temps de te dire, oh non, pas encore, là. Il est trop tard. Fait que moi, c'est ce que je vois. T'as pas besoin d'en parler nécessairement. Puis l'autre chose, là, tu sais, c'est un concours de circonstances, mais le fait de changer d'entraîneur n'a sûrement pas aidé. Parce que si Claude Julien, son système est bien en place, puis il est encore là, peut-être qu'il peut passer du temps à travailler à 3 contre 3 sur la glace. Dominique Ducharme a tellement de modifications à apporter, de changements, de façon de procéder. S'il se met à travailler 3 contre 3 aujourd'hui, sans jamais savoir si tu vas en jouer un, tu sais, là, on pourra blâmer Dominique Ducharme, puis comme faux. Tu sais, tu peux pas. Oui, tu peux faire de la vidéo, tu peux te préparer, tu peux avoir des schémas, de l'utilisation, une stratégie. Mais tu peux pas, à ta deuxième semaine comme entraîneur-chef, de commencer à pratiquer le 3 contre 3 quand tu sais même pas s'il va en avoir un autre dans l'année. Tu sais, tu sais que tu vas jouer 60 minutes à 5 contre 5. Tu sais pas si tu vas jouer 5 minutes à 3 contre 3. Fait que moi, je le vois un petit peu comme ça, le défi de la prolongation. Mais c'est sûr que c'est une barrière psychologique que le Canadien va devoir traverser très bientôt. Là, puis il va falloir qu'il en gagne une. Tout à fait. J'adore. J'adore, Yann. Marc, j'adore cette partie-là que tu dis. Puis souvent, tu sais, on se les fait dire puis on l'oublie. Puis je suis certain que les gens qui nous écoutent vont faire ben oui, Marc a raison. La prolongation, là, oui, ça fait 8 fois qu'on perd. Depuis que Ducharme est là, mettons, ça fait 4-5 fois. Mais le Canadien, exemple, joue ça à la rondelle 95% du temps. Le Canadien touche à la rondelle, mettons, X montant de temps. Donc, il doit travailler les aspects qu'ils sont en contrôle le plus souvent. Le jouer sur la rondelle, il faut qu'il pratique 95% du temps parce qu'il l'a 95% du temps. On l'oublie tellement, ça, Marc, quand tu dis il ne peut pas arriver et dire on va se mettre à pratiquer. Il peut faire de la vidéo, il peut y aller de nouvelles consignes à 3 contre 3, mais il ne peut pas passer un temps énorme là-dessus. Je trouve ça tellement bon. On va poursuivre. Je vous rappelle que le Doc Guimond va joindre Marc dans quelques instants également pour jaser de ce qui est les haters, les sujets polarisants. Mais on a encore des sujets sur le Canadien. Les gens à la télé, je vous laisse aller au grand titre. Venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. Petite nouvelle. Bon, tu l'as dit tantôt, Jake Allen sera le gardien de but. Puis, Marc, je vais te parler de ton eau tiède, parce que Dominique Ducharme, on lui a posé la question. Coudonc, qu'est-ce que t'aimes tant de Yoel Armia? Et Dominique Ducharme a dit, quand ses pieds bougent et qu'il est actif et dynamique, il est certainement notre joueur le plus fort et le meilleur à protéger les rondelles. Donc, Yoel Armia a fait partie du point de presse de Dominique Ducharme. Puis, sais-tu quoi? Il l'a benché avec Barron puis Evans. Puis, quand il les a amenés en troisième période pour un chiffre, ils ont failli marquer. Oui, c'est vrai. Oui, ils ont failli marquer. Ça a été la meilleure occasion de marquer d'Armia de son match. Puis, ça l'a donné... Ça a donné un petit boost d'énergie aux Canadiens lorsque Gallagher s'est amené avec Dano et Gallagher, avec Dano et Tatar, excuse-moi. Puis, tu sais, on parle de concours de circonstances, là, ça en était un, parce que lorsque Dano a inscrit son but, c'était Gallagher qui était encore sur la patinoire pour amorcer une partie de la transition avec Tatar. Alors, ça a été des bonnes décisions. On en parlait tantôt, ça a été un des bons coups, ça, de Dominique Ducharme. Puis, dans le cas d'Armia, là, je vais le répéter, tu sais, là, il y a Josh Anderson maintenant chez les Canadiens, mais il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Puis, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans la Ligue nationale de hockey, des gars qui ont ces habiletés individuelles-là, la vitesse pour jouer, puis le gabarit aussi. Mais, tu sais, je pense que des fois, Armia, il l'oublie. Il l'oublie que, tu sais, il a ces atouts-là qu'il doit utiliser en tout temps. Puis c'est un gars qui est intelligent sur la glace. Il est capable de jouer lors des deux unités spéciales. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais il y a des matchs où, tu sais, c'est comme si là, il faut accepter ou apprivoiser le fait que il y a des matchs où il va être absent, invisible, puis là, il va falloir que tu gères, tu mets sa caméra. Ça, là, tu sais, l'expression high maintenance, là, ça, des fois, c'est un joueur qui a besoin de trop d'attention. Quand il faut que tu dises, je vais regarder aujourd'hui, voir si je peux l'utiliser dans mon top 9, tu sais, c'est difficile. T'aimes mieux avoir un gars comme Perry, qui est un spécialiste à la quatrième ligne, que lui, tu sais, tu peux l'utiliser plus si t'as une blessure. Ça, c'est pas de travail. Tu sais qu'il va se présenter, il va faire les détails, il joue en jeu de puissance, puis si t'en as besoin, tu peux l'amener. Un gars comme Armia, que t'es pas sûr du genre de match, ça, là,
moi, je le dis, là, ça use les entraîneurs. Parce que quand il faut que tu portes attention à un joueur, c'est bien plus facile un joueur que tu n'as aucun doute. Un homme Gallagher, tu n'as aucun doute. Tu sais qu'il va tout donner. Tu sais, si tu es capable de gérer son temps de jeu puis tu le fais jouer moins de 16 ou 17 minutes, là, à 14 minutes, Gallagher, il va tout donner pendant 14 minutes. Ça n'aura même pas de sens. Armia, c'est pas tout à fait ça, maintenant. OK, au retour de la pause, Sylvain Guimond va se joindre à la discussion. Mais pour le moment, Martin, je vais aller faire quelques lectures de commentaires sur Facebook, puis tu pourras y aller sur la RDS.ca. Salutations à Jean-François Bergeron. Salutations également à Michel Gauvreau. Christophe Robitaille dit « J'ai hâte de voir le travail de Sean Burke avec les gardiens, ce que ça va apporter de nouveau. » Guy Bernard dit « Pas deux victoires de suite depuis 44 jours. » Patrick Guyet demande à Marc « Quelle équipe te fait le plus peur dans la Division Nord. » Et salutations, puis je reviendrai, tu vas pouvoir répondre. Salutations à Michel Asselin, à Mike Lapp également, Puck Drops Gaming et Hugo Bouchard. Pour revenir à la question, Marc, quelle équipe te fait le plus peur? Puis Martin va y aller avec des commentaires sur le RDS.ca ensuite. L'équipe qui me fait le plus peur, honnêtement, c'est Toronto, puis c'est parce qu'il y a des boîtes à surprise. Tu sais, ils ont énormément de talent offensif, puis c'est parce que Frédéric Anderson peut t'en jouer une grosse. Leur défensive peut être hermétique. C'est eux autres qui me font plus peur. Tu sais, je pense que les Jets ont de grosses lacunes en défensive. Je crois qu'Edmonton a de grosses lacunes en défensive. Je pense pas qu'ils ont un gardien qui peut te battre. Winnipeg, ils ont un gardien qui peut te battre, c'est bien vrai. Puis Calgary, c'est une équipe qui était censée me faire peur, mais j'ai de la difficulté à... Tu sais, là, avec Daryl Sutter, là, un moment donné, ça va s'estomper un peu. Fait que je suis obligé de te dire que c'est Toronto. C'est Toronto qui me fait le, ben, tu sais, qui me fait le plus peur. C'est Toronto que je me dis, ils ont peut-être un potentiel de sortir de cette division-là, assurément. Donc, si oui, je suis un partisan du Canadien, c'est Toronto qui me fait le plus peur. Tu vois, moi, j'aurais dit Calgary parce qu'ils peuvent nous éteindre, tandis que toutes les autres équipes ouvrent assez le jeu pour que le Canadien puisse respirer. Fait que je suis d'accord avec Marc sur tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai ce que tu dis, là. Calgary, là, au niveau du style des deux boxeurs, là, le style qui fait le combat, c'est Calgary qui répond le moins aux attentes de Montréal. C'est Calgary là, qui a la possibilité de battre Montréal à tous les soirs parce qu'ils jouent ce style-là éteignoir. Puis avec Daryl Sutter, ils vont jouer, puis ils ont un gardien à Markstrom. Fait que, tu sais, puis ils ont une défensive aussi, ils ont une ligne bleue. Tu sais, moi, je pense que ta ligne bleue est importante pour gagner, pour sortir de la division. Mais c'est parce que Toronto, ils peuvent t'en sortir. Tu sais, Frédéric Anderson, il peut t'en sortir une grosse. La défensive, elle peut avoir du bon sens du côté de Toronto. Tu sais, c'est alors que je pense pas, moi, que. Hey, c'est Forbort, ton meilleur défenseur à Winnipeg. Fait que, tu sais, c'est correct, là, mais je veux dire, Nathan Beaulieu puis Josh Morrissey, de la façon qu'ils jouent, c'est pas eux autres qui vont t'arrêter, là. Non, puis tu sais, les Neil Pionk puis tout ça, là, ça, c'est une autre affaire qu'Éric Bélanger disait. Pionk, c'est correct. Regardez les autres équipes à m'amener. Regardez les autres équipes à m'amener. Vous allez voir aussi qu'ils n'ont pas juste des All-Stars à toutes les positions. Ils ont leurs défauts également. Tu sais, le monde, il chiale qu'on a Price, mais qu'on n'a rien ailleurs. Regardez ailleurs, vous allez voir. Ils ont, mettons, Shifley et Wheeler, mais à défense, pas facile. Gardez grosses salutations. Claude Marion, Martin Lajoie, François Terrien. Plusieurs nouveaux noms, j'adore ça. François Kramer, Vincent Roy, Samuel Dufour qui dit la bonne nouvelle avec la prolongation 3 contre 3 et les tirs de barrage, ça n'existe pas en série. Donc, si le Canadien rentre à la série, ça devrait être une bonne nouvelle. Jonathan Audet, salutations également. Ma mère qui doit être encore triste parce qu'on est sur RDS Info puis qui nous regarde sur son petit téléphone puis elle dit bon Dieu, comment que je fais? Ouais, mais à 13h, on est à RDS. C'est bon. Marc, la décision du Canadien de... Puis là, on apprend, là, il y a eu... j'ai vu ça tantôt pendant qu'on jasait. Là, je vais juste donner les trios aux gens. Gallagher avec Dano Tatar à l'entraînement. Drouin, Kotkaniemi, Anderson. Armia avec Suzuki et Toffoli. Et à la défense, Dominique Duchamp a parlé que Romanov jouera à gauche. On veut qu'il joue à gauche et c'est Ouellet qui sera du côté droit. Et les joueurs qui ont patiné en extra, ben, on a rappelé Olofsson. Du côté du club école pour jouer sur l'équipe de pratique. On pense qu'on veut lui donner de l'entraînement avec les joueurs du Canadien parce que l'équipe du Rocket s'en va sur la côte ouest pour l'instant. Je ne sais pas si tu veux y aller, un commentaire rapide sur Armia de retour sur une troisième et surtout Romanov à gauche. Romanov était là à gauche. Il jouait à gauche avec Ouellet depuis. Ça fait quelques matchs qu'il est là. Oui, mais... Donc, je pense que Duchamp disait plutôt qu'il préfère avoir Romanov à gauche. Du-du-du-du-du.
Oui, j'ai peut-être mal formulé ma question. Et... c'était plus de l'incisif de Duchamp qui disait pourquoi il voulait garder Romanov à gauche, le trouvait plus confortable de ce côté-là. Bref, c'est ce qu'il en est présentement de ce côté-là. Et là, on lui voit la bine. Doug Guimond va savoir. Il est à droite de Mac Denis. Salut Sylvain. Je suis comme à la droite du bon Dieu. Je me sens au ciel. Arrête. OK. Yannick, je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais pourquoi qu'on ne laisse pas Marc faire l'introduction du Doug Guimond et pourquoi il tenait absolument oui. à avoir ce show-là avec le Doc? Marc, à toi la pole. Ouais. Bien, vous êtes super fin, là, puis c'est certainement pas mon rôle d'animer cette émission-là, mais moi, là, depuis quelques émissions de On Jase, Doc, on parle de la psychologie du gardien. Puis ça, je suis capable de t'en parler jusqu'à demain matin, mais la psychologie derrière, la pression indue, ouais. ce qui entoure un athlète polarisant, ce qui peut aussi ajouter et influencer le quotidien des athlètes, je dis tout le temps, moi, j'avais besoin d'aide quand je jouais, j'ai pas peur de dire que j'ai besoin d'aide là-dedans. Puis je trouverais ça le fun qu'on puisse en parler un peu, parce que Carey Price, tu auras deviné, Doc, est un sujet récurrent sur cette tribune et sur beaucoup d'autres. Puis, écoute, l'expertise, non seulement tu l'as, mais pour moi, tu es une sommité là-dedans. Fait que je me suis dit, je veux qu'on en jase. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques, comme on s'est parlé un peu hors d'onde et hors micro en te présentant maintenant, là, j'aimerais ça que Doc Guimond nous explique le phénomène des athlètes, des équipes polarisantes. Tu as des parallèles, en tout cas, bref. Je te laisse aller, là. Je ne veux pas te pitcher ça dans ta cour comme ça, mais à Montréal, cette équipe-là ces athlètes sont pas. Ouais, mais c'est polarisant. Le sport professionnel peut avoir ce pouvoir-là et cet effet-là. Bien, premièrement, il faut que je dise d'emblée que je le connais personnellement parce que j'étais avec l'équipe. Il était là, lui, avec l'équipe quand moi j'étais là. Donc, je l'ai connu personnellement. Premièrement, comme individu, c'est une très bonne personne, c'est un gars exceptionnel. Maintenant, comme athlète, ben c'est sûr qu'à Montréal, partout ailleurs, c'est la même chose, mais à Montréal, il faut se dire qu'on a une histoire d'amour avec le Canadien et c'est une histoire d'amour et de haine pour certaines personnes. C'est comme si on dit à certains fans, tout ce que le Canadien font, c'est fantastique, et il y a pour d'autres personnes que tout ce que le Canadien fait, ben ça n'a pas d'allure, c'est pas bon. Ça me fait un peu penser à la politique, Marc. Comme si on était républicain ou si on était démocrate aux États-Unis, peu importe ce que votre groupe font, ben, c'est tout le temps correct. Puis ce que l'autre groupe fait, ben c'est toujours pas correct. Donc, c'est très polarisant, comme tu viens de dire. Et ben c'est ce que lui, il vit ici. Parce que, un, il y a de grandes attentes sur ses épaules. Puis en même temps, ben c'est sûr que les gens d'ici, ben, ils veulent que les Canadiens soient en série tout le temps. Puis c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, c'est la plus belle place à jouer au hockey à Montréal parce que les gens connaissent le sport. Les gens apprécient. Donc, si j'ai toujours dit à Steve Bégin, tu n'as pas été le meilleur joueur du Canadien, mais tu as été un des joueurs les plus aimés parce qu'à chaque fois, c'était 100% de toi-même. Tu avais un joueur 100% de lui-même. Donc, c'est un peu ça, Montréal. Donc, c'est quand tu dis polarisant, ben c'est un peu ça. Mais... l'autre point que j'aimais, c'est toute la partie de gardien de but. C'est des drôles de bébites. C'est comme si tu avais un sport individuel à l'intérieur d'un sport de groupe. C'est vrai que c'est des drôles de bébites. Mais si vous me permettez, les gars, j'entre vite pour faire un lien avec ce que Sylvain et Marc, vous venez de dire concernant les partisans. Une relation amour-haine. Tu sais, cette semaine, j'asais avec un partisan, justement. Puis je sais que c'est un partisan du Canadien. C'est un monsieur de 65 ans, puis toujours suivi ça. Puis là, il me parle, là, puis là, je te jure, ça fait 15 minutes qu'il me démolit tout ce que le Canadien fait, là. Il y a rien de positif. Puis là, je lui dis à un moment donné, « Coudon, tu prends-tu le Canadien encore? » Et là, il me répond, « Oui. » Mais je suis tanné, je veux gagner la Coupe Stanley. Ça fait depuis 93, je veux voir ça avant de mourir encore une fois. Tu sais, on dirait que les gens sont tellement... Ça fait tellement longtemps que les Canadiens n'ont pas eu le succès escompté qu'on a eu pendant des années. Surtout ces gens-là, ils ont connu les années 70, qui étaient assez glorieuses. On dirait que c'est ça, un moment donné, qui fait une relation amour-haine. Je les aime, mais ils m'enragent parce qu'ils ne gagnent pas, tu sais. Ouais. C'est spécial quand même. Que Marc, tu dis souvent, Marc, c'est qu'à Montréal, on dirait qu'il n'y a rien de pragmatique. C'est beaucoup d'émotions. Puis quand il y a des émotions, ben on devient loin de là, on n'est plus pragmatique. Et ben on se laisse emporter. Puis c'est un peu ce qu'on voit avec le Canadien, avec ce que Carey Price vit en ce moment.
Bon, mais moi, là, je vais être. Je m'excuserai, là, puis je sens que les auditeurs de Ongeance me connaissent depuis assez longtemps. Ils savent que je ne mettrai pas de gants blancs. Les gens, là, s'ils comprennent pas qu'il n'y a pas 6 équipes, puis qu'on n'a pas une équipe d'All-Star, puis ça n'arrivera plus jamais, ils ne comprendront jamais. Pour ce qui est de Carey Price, Doc, j'ai-tu raison ou pas raison de dire. C'est la position où le plus de monde qui pense, qui savent comment ça marche parce qu'ils regardent les highlights puis ils voient la lumière allumée au Sport 30, mais qui connaissent pas ça. C'est ça le problème, moi, je trouve, qui est polarisant. Les gens, comme tu l'as dit, sont passionnés, vont reconnaître le travail, vont reconnaître l'effort, mais ne seront pas capables de reconnaître c'est à qui la faute sur un jeu, mais automatiquement, c'est le gardien but. Patrick Roy s'est fait sortir dehors à couper un cul de Montréal, on l'a dénigré, et pourtant, quand il est parti, on a fait « Oh mon Dieu, on a perdu le meilleur gardien but au monde! » Pourtant, c'est eux autres qui le huaient à plein grand. Fait que moi, je m'excuse, je ne mettrai pas de gamblin avec l'auditoire. Vous me pardonnerez, fans de Ongeance à qui le chapeau fait. Ça se peut-tu qu'on chiale et que Carey Price est polarisant parce que le monde ne connaît pas ça? Le monde ne connaît pas Marc. Ça. Garder les buts, c'est ingrat. Marc, tu le sais, tu n'as personne derrière toi qui peut corriger ton erreur. Ça, c'est un, c'est très, très difficile. Mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, Martin. Quand tu es un gardien de but qui fait un travail exceptionnel, on va aussi t'encenser. Un peu comme un lanceur baseball, il porte beaucoup de responsabilités, mais un gardien de but, c'est aussi comme ça. Donc, quand ça va bien, on lui en donne beaucoup en disant « Ouais, on a eu un gardien de but qui a été exceptionnel. » Quand ça va mal, ben, malheureusement, on se tourne souvent vers lui. Mais tu as raison, c'est pour ça que je disais que c'est comme si on avait un individu seul à l'intérieur d'une équipe. C'est comme si on avait un joueur qui fait un sport individuel à l'intérieur d'un sport d'équipe, puis un gardien de but, ben au contraire d'un autre joueur, lui, il est toujours en réaction avec ce qui se passe devant lui, puis il va agir de façon très pragmatique, puis se placer, puis il va être square to the puck. Là. Oui, mais Doc, ce que j'essaie de dire, là, c'est un peu comme le gouvernement. Je m'excuse de te couper le souffle. Tu sais, ça chiale, puis le gouvernement... Mais le monde, là, le gars, il est plombier, mettons, électricien, je veux pas prendre aucun métier. Moi, là, je te le dis, là, tu me mettrais à la place de Legault, là, on arrêtait pas mal plus dans chenoute, parce que je connais pas ça. Mais on dirait que ça chiale parce que ça connaît pas ça, tu comprends-tu? Moi, le monde qui m'appelle, il dit « Voyons donc le vaccin, on sait pas ce qu'il y a là-dedans. » Ouais, nomme-moi donc qu'est-ce qu'il y a dans le Tylenol, toi, t'en prends tous les jours des Tylenol. Tu comprends-tu? Le monde connaisse pas ça, puis ça leur permet de chialer. J'ai-tu raison ou j'ai tort? Si j'ai tort, je me rétracte, puis je m'excuse. Yannick, toi et moi, on est vraiment mal pris. Là, on est avec deux goalers. Deux bébites. C'est pour ça, Martin, t'es une bébite. Parce que t'étais un goaler, t'étais un gardien. Mais ce que j'allais te dire, Martin, je sais que ça, tu vois, tu fais partie de ces gens-là. T'es trop émotif par rapport à Carey Price. Mais non, effectivement, c'est difficile parce que justement, on veut gagner la Coupe Stanley. Et c'est certain que ce joueur-là est indispensable pour qu'on y arrive. Il n'est pas le seul. Mais il y a un rôle extrêmement important. Mais est-ce que le monde connaît ça ou non? Et les buts? Ça, c'est plus à Marc à répondre à cette question-là. Vas-y, Marc, puis après ça, je vous relancerai. Ah, OK. J'ai un peu de difficulté, je pense, avec mon son. Je sais pas si vous m'entendez comme faux, par exemple. Oui. OK, oui, t'es venu, vas-y. Oui, vas-y. Oui, bien, la seule chose que je veux dire à propos du champ d'expertise que j'ai, là, c'est que le travail d'un gardien se fait dans l'ombre. Tu sais, on parlait de l'effort, on parlait de Steve Bégin tantôt, vous avez parlé de reconnaître l'intensité, mais le travail que Carey Price fait, il le fait dans l'ombre, il le fait dans sa préparation, les vidéos qu'il va regarder, les tendances de l'adversaire, le travail qu'il fait lors des entraînements où le public n'y a pas accès. Le travail du gardien se fait là. Il peut pas se dire « je vais en faire plus dans mon demi-cercle, puis ça va amener des résultats ». Mais comme un Connor McDavid, même s'il travaille à 100%, il ne marquera pas tous les soirs, quoique McDavid, c'est peut-être pas le bon exemple, il n'en demeure pas moins que c'est difficile de reconnaître l'effort et le niveau d'engagement de Carey Price. Et lui, ça y fait son affaire jusqu'à un certain point parce que c'est le gars qui veut être tranquille. Il veut pas, il a pas demandé d'être sous les feux de la rampe. C'est un gars qui est bien, lui, dans un rôle d'ombre, mais comme il est le plus gros salarié, un gars qui a gagné les trophées de joueur le plus utile... Et un gars qui a été repêché très haut, envers qui il y a énormément d'attentes sur les épaules, pour reprendre ce que le Doug Guimond disait, les gens ne reconnaissent pas le niveau d'engagement qu'il a envers cette organisation-là. Parce que, comme le Doc le disait, moi je connais Carey Price aussi, c'est un gars qui a vraiment cette équipe-là à cœur. Vraiment. OK, ça m'amène exactement à ma prochaine question. Là, tu dis Carey Price, c'est un gars qui n'a pas demandé ça, puis ça, c'est vrai, tu as raison. Alors, est-ce que.
son attitude vient jouer là-dedans. Parce que je sais que c'est un bon gars, puis c'est un bon père de famille, puis qu'il a à cœur le Canadien. Mais tu sais, des fois, il va parler après un match, quand ça va mal. Là, il a la casquette sur ses yeux, il a l'air bête un peu. Tu sais, je sais pas si c'est son attitude. Ouais, tu sais, il est fâché, puis il peut pas arriver, lui, à la caméra, puis commencer à péter une coche, là. Mais tu sais, c'est ça qui fait que, si on le compare à d'autres athlètes qui sont quand même plus souriants, plus joviales, que c'est ça qui fait qu'il est encore plus polarisant pour les gens à Montréal. Peut-être que je suis carrément dans le champ, là, mais je vous pose la question. Ben, moi, je peux te dire que c'est quelqu'un qui est introverti. Puis, Marc a raison, c'est pas quelqu'un qui aime être sous les... Il n'aime pas ça être sous les réflecteurs. Mais en même temps, c'est triste un peu, mais c'est sa job. Fait qu'il est comme mal pris dans ce rôle-là. Mais je peux te dire que comme athlète, quand il semble être déçu, il est choqué contre lui, il l'est vraiment profondément. Puis c'est le premier qui aime avoir du succès. Il n'y a aucun athlète qui ne veut pas avoir du succès. Puis il n'y a aucun athlète qui est indifférent à être critiqué ou à être encensé. C'est impossible. On est tous sensibles à ça. Et lui aussi, il l'est. Tout le monde, en fait, l'est. Même nous autres dans les médias, on est sensible à être critiqué ou à être félicité. Donc lui, il n'est pas différent de nous en ce moment. Mais est-ce que les sujets polarisants, il y a un point en commun, Doc? Tu sais, que ce soit Carey Price, là, la prolongation de ce temps-là, là, c'est polarisant, les masques, ouais. Les anti-masques. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet est polarisant puis que le monde a envie de se déchirer leur chemise puis de ne pas respecter l'opinion des autres sur un sujet? C'est ce qui amène les émotions. Tous les sujets où il y a de l'émotion, où ça change comment on se sent. Tu sais, on regarde le Canadien, il gagne. Tout le monde voit, on est plus content. Le Canadien perd, tout le monde devient plus prudent. Le masque, pas de masque. C'est polarisant parce que ça implique beaucoup au niveau de nos émotions. Quand ça nous touche pas de façon émotionnelle, là, ben c'est pas polarisant. On est presque indifférent. Mais quand c'est polarisant, c'est parce que ça m'implique... fortement au niveau de qui on est comme société, qui on est comme personne. Puis le Canadien de Montréal, faut pas se le cacher, on fait juste regarder tout ce qui est écrit sur le Canadien de Montréal, tout ce qui est publié sur... Tu sais, on est là en ce moment, puis je sais pas combien de médias sont tournés vers ça, mais c'est extrêmement important pour nous, puis c'est correct, c'est notre identité, c'est qui on est. Fait que le hockey, le Canadien de Montréal, fait que c'est polarisant parce qu'on est impliqué émotionnellement. Le jour où on ne sera plus, on va être indifférent. J'aime ça. Puis là, je viens de lire un commentaire. Les gars, je vais vous le lire. Là, puis écoute, il vient vraiment, vraiment résumer la pensée des partisans. C'est Thierry Fafard sur Facebook qui vient d'envoyer ça là, à l'instant. On chiale sur l'attitude de Carey en disant qu'il a une attitude nonchalante quand il perd. Mais quand ça va bien que le Canadien gagne, on dit que c'est sa force, c'est son calme. Il a le défaut de ses qualités, donc. C'est un peu ça, hein? Ah, mais c'est quel bon commentaire, là. Je viens de voir ça au moment où vous terminez de parler. Allez-y là-dessus, les gars, mais c'est carrément ça. C'est exactement ça. C'est exactement quelqu'un qui est très, très calme, peut avoir l'air nonchalant. Donc, c'est un peu ce que monsieur vient de résumer. Il fait un topo, on devrait l'engager à RDS. On va lui donner une étoile aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Hey, Yannick, je vais juste mettre mon grain de sel là-dedans. Là. Pour un gardien, la ligne, elle est très mince. Parce que le calme olympien devient contagieux du bon sens. La nonchalance devient contagieuse du mauvais côté. Cette ligne-là, elle est mince. Mm. C'est un peu comme un golfeur qui doit rester en contrôle, mais engagé. Donc, il doit rester concentré. Mais si les émotions prennent le dessus, c'est fini. Tu tires à gauche, à droite. Le gardien de but, c'est un peu pareil. Quand Carey Price a connu ses ennuis, là, il forçait la note, il essayait de trop en faire. Bien là, il se déplace trop fort vers sa gauche. Il est déporté, il donne un but à droite. Tu sais, la ligne, elle est très mince, mais c'est clair. Puis ça, dans la vie, là, ça va bien plus loin que le hockey. Là, le défaut de nos qualités, qualité de nos défauts. Et c'est un peu la personnalité de Carey Price. Puis, tu sais, ça va peut-être me mener... En passant, là, je veux juste vous dire là, que les AirPods de première génération, quand ça fait 2 ans et demi que tu les as, c'est 40 minutes le temps d'utilisation. C'est pour ça que j'ai changé d'écouteur. Merci d'être là. Merci d'être là. Ça, c'était la chronique techno d'aujourd'hui. Puis ça vient dans l'autre sujet que j'ai parlé au doc. Là. Je sais pas si je vous en ai parlé, Yannick Martin. Excusez-moi là, si on fait du coq à l'âne, mais j'ai dit, moi, je pense que je suis une bonne personne. Je pense que je suis une bonne personne. Je suis pas égoïste.
Mais quand j'étais athlète, j'étais égocentrique, égocentré. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là aussi de Carey Price qui fait qu'on a une petite dent contre le fait que Colin, y a-tu de l'empathie? Il nous comprend-tu? Tu sais, quand tu as répondu à une question puis il dit « ça ne me dérange plus que le monde y penseront ce qu'ils veulent de moi », mais c'est parce qu'il y a besoin de cette attitude-là pour réussir comme athlète, mais on n'aime pas ça quand il nous le dit. Ça se peut-tu, ça, Doc, ou je suis dans le champ? Les gens aimeraient mieux qu'ils nous mentent. Pour dire ouais, peut-être. Pour dire ce qui devrait être politiquement correct. Mais ce que tu viens de résumer, c'est tellement vrai que c'est vrai que les athlètes de haut niveau, surtout dans la Ligue nationale, là, ton poste, il n'est jamais, il n'est pas sécurisé. Là. C'est, tout le monde veut ta job un peu. Et même si on dit qu'on s'aime beaucoup dans une équipe, il y en a qui attendent pour prendre ta place. Donc, si l'athlète se prépare pas convenablement, s'il pense pas à l'athlète en tant que tel, ben il va pas réussir. Puis c'est vrai qu'il y a le petit dodo, il y a ci, il y a ça. Puis toute la famille, tout le monde est tourné autour de cet athlète-là le temps qu'il va performer dans la Ligue nationale pendant tant d'années. Et ça, moi, quand je parle avec mes athlètes, je le dis à la famille, à la femme, aux parents, aux gens autour. Pour un certain temps, c'est dommage, mais ça va être le centre d'intérêt en ce moment s'il va être capable de performer. Je ne peux pas avoir des distractions constamment sur lui. Puis c'est vrai, c'est difficile pour la femme d'un joueur de hockey. Bien, c'est sûr. C'est vu comme si c'est tout le temps autour de lui, tout autour de lui. Mais c'est ce que ça prend pour réussir dans cette ligue-là. On n'a pas le choix, tu as raison, tout est centré sur l'athlète. OK, mais je vais vous amener ailleurs, là. Je vais vous nommer un nom, là. Tu as raison, Sylvain, dans ce que tu dis, là. Mais il y a des fois, le même genre d'athlète vivent le même genre de situation, ou même encore bien plus difficile, parce que lui, partout où il est passé, ça n'a pas été évident. Puis malgré tout ça, toujours le sourire, tout le temps de bonne humeur, tout le monde l'aime. Marc-André Fleury a vécu des étapes beaucoup plus... Non, mais ben c'est sûr, écoute, c'est le premier réflexe qui m'est venu en tête. Tu sais, il a vécu des situations bien plus dramatiques que Carey Price, là. Mais, à chaque fois, tu sais, même moi, là, on se connaît, genre, tu sais, on se connaît bien, tu sais, Sylvain, et... Ouais. Marc-André, il m'a amené, j'avais envie de dire si moi, je le causerais-tu mon hockey d'en face? Je venais à bout. Mais lui, t'as la bonne attitude, le sourire, il mangeait ses noix sur le banc, puis la vie est belle. Waouh, quel athlète incroyable, ce gars-là. C'est parce que Marc-André, là, pour le vrai, il sait pas qu'il est dans la Ligue nationale. Il y a personne qui a dit. Lui, il pense qu'il joue encore pour le fond. Il est encore comme ça. Mais il est comme ça tout le temps dans la vie. Il est tout le temps en train de sourire. Il est pas différent ce qu'il est là, de ce qu'il est dans sa vie. Il devrait appeler son banquier. Il saurait. Mais Carey Price, c'est pareil. Ce qu'il est là, il est dans la vie aussi. Le gars réservé, plus timide. Marc-André, il rit tout le temps. Il a, je pense qu'il a 75 dents dans la bouche. Mais c'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça qu'il fait face à l'adversité. Il fait face à l'adversité en l'apprenant comme elle vient. Et c'est vrai qu'à chaque place où il a passé, puis tu le sais, Yannick, tu le connais bien, moi aussi, c'est depuis qu'il est Pee-wee que ça y arrive. Il n'y a pas une place où il a passé, ça n'a pas été difficile, puis on a toujours dit, ah, Marc-André, puis là, il était tout le temps, mais à chaque fois, il s'est relevé, il devient, plus il y a de l'adversité... Il revient plus fort. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait qu'il est un athlète exceptionnel. C'est cette force de caractère-là de pas s'en faire, puis de continuer à sourire. Puis à vivre. Mais il est comme ça dans toute dans sa vie. Les gars. Et il y a des les parents. Les auditeurs. Exceptionnels aussi. Vas-y, fini. Fini, Doc. Excuse-moi. Non, j'allais dire. Non, Martin, c'est correct. Mais c'est comme individu, il est comme ça dans sa vie constamment. Il sourit tout le temps. Il est toujours de bonne humeur, puis il a du plaisir. Puis on dirait que l'adversité, il s'en fait pas avec ça. Il aime ça, en fait. OK. Là, les auditeurs sont incroyables. Ils posent. J'ai donné deux des auditeurs. Tout le monde est incroyable, là, mais j'en retiens deux. Sylvain qui dit... Tu sais, Stéphane White en a parlé parce qu'il a dit... Stéphane White a dit... Moi, j'ai demandé à Carey Price, t'aimes-tu encore ça? Puis il a dit, quand on gagne, oui. Sylvain pose la question. Ça se peut-tu? Aimes-tu encore ça? Tu sais, des fois, on a une carrière, puis après 15 ans, on veut une réorientation de carrière. Carey Price, ça serait bien plate qu'à son âge, je dise, moi, sais-tu quoi, je laisse le 10 millions là, je vais me réorienter et je vais aller préposer aux bénéficiaires. Je n'ai mon casque du hockey. Ouais. Comprenez-vous? Ouais, Martin. Si Stéphane White a pensé lui poser la question, fait que Sylvain pose la question, est-ce qu'il aime encore ça, le hockey?
Écoute, s'il avait dit, là, j'aime ça quand on perd, là, on serait dans la merde. On c'est devrait vrai. Dire le mot marde à Doc à TV. On peut pas dire ça. Si il avait dit ça, on serait vraiment dans la chenoute. Tu comprends? Il a dit ce qui est vrai. J'aime ça, le hockey, quand je gagne. Quand je gagne pas, j'aime pas ça. Y a-tu quelqu'un qui aime perdre? Si t'aimes perdre, t'as pas d'affaires dans la Ligue nationale, là, va jouer ailleurs. Ah, il a dit la vérité, c'est ça, c'est correct. Oui. Mais est-ce qu'il aime Martin, encore ça? Vas-y. Ça veut dire qu'il y a des fois qu'il doit aimer ça plus que d'autres, Martin. C'est quand ça va bien. Quand t'es heureux, on performe mieux. Quand t'es malheureux, on performe moins bien. Fait qu'il a juste dit la vérité. Maintenant, est-ce qu'il aime encore ça? Je suis certain que oui. Ce qu'il aime pas, c'est ce qui entoure la game, parce qu'il est mis sous les réflecteurs, puis c'est pas dans sa personnalité. Marc-André Fleury, il est flamboyant partout. Il est comme ça dans la vie. Il aime ça, lui. C'est pour ça qu'il est un gardien de but. Des fois, il est all over the place. Il veut trop en faire. Lui, Kerry, il est plus réservé. Vas-y, Marc, Martin, je vais poser ma deuxième question. Antoine Roussel, là, il va être dans le monde des communications après. Il aime ça, il adore ça, il en a, il en mange, la passion. Kerry Price, c'est de la passion. Mais quand ça va être fini, là, il va être bien content d'aller à la chasse, à la pêche, d'être avec sa famille puis d'être tranquille. Tu sais, il y a différentes personnalités. Mais ça, des fois, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, nos amis ont différentes personnalités, les gens qu'on côtoie. Puis, tu sais, je vais te le dire, là les gens me connaissent aujourd'hui parce que... Ouais, puis là, les gens me connaissent parce que ça fait 10 ans que je suis dans le monde des médias. OK? Tout ça, c'est bien vrai, mais... Ça fait juste 10 ans que j'ai réalisé bien des affaires que je vous dis aujourd'hui, moi, là. Parce que quand t'es athlète, là, tu te concentres sur une chose, c'est de pas te laisser déranger puis être dans le moment présent. Puis, tu sais, les gens, en ayant connu beaucoup Mario Lemieux, des gens qui disaient, ah, Mario, il est froid avec les médias, tout ça. Quand t'es seul avec lui, il est pas comme ça. C'est un gars super, super généreux. Il invite des équipes de hockey de jeunes chez eux à la maison. Des Québécois, quand ils vont jouer là-bas, sont su comme des rois. Mais il n'aime pas les médias. Puis il m'avait dit une fois, moi, un jour, ce que je voudrais faire, c'est de faire un peu comme Johnny Carson. Quand ça va être fini, on éteint la lumière, puis c'est fini. Et le gars, il est pas bien avec ça, les médias. C'est énormément... la personnalité, c'est ça. Et oui, c'est la personnalité qui fait ça. OK, question vite, Patrick. Avant de quitter les gens de la télé, je veux vous lire un commentaire. Je vais vous lire un commentaire, mais sans là, je vais vous lire juste sur le web. Les gens à la télé, merci d'avoir été là. Venez nous rejoindre sur le web, ça se poursuit. Salut à ma mère, la mère de Yannick. Venez nous voir sur le web. Ma mère qui regarde son téléphone puis qui a fait « Bye, mon fils, je t'entends! » Marc Boucher qui vous dit, puis ça représente le commentaire de bien des gens, il dit « Hey, moi, je suis écœuré d'entendre le mot « princesse » au lieu de « price ». En plus, je vois pas même pas le rapport. Il a jamais demandé un traitement préférentiel. Il a juste été traité comme un gardien de but numéro un, point. Là, c'est rendu qu'on lui met sur le dos le congédiement de terrien parce qu'il l'a regardé, puis qu'on dit que c'est de sa faute si Julien a été mis dehors. C'est du n'importe quoi. Premier commentaire là-dessus, Marc. Oh boy, j'en aurais tellement. Mais, tu sais... Vas-y avec moi. Non, mais je pèse mes mots là-dedans. Ça revient... Dans le fond, là, ce commentaire-là, il englobe tout, OK? Il englobe ce qu'on a dit tantôt. Moi, là, parle-moi de son taux d'efficacité, qu'il suit pas la rondelle de la bonne façon avec le retraçage visuel, que son menton est pas bien positionné, qu'il couvre pas bien les écrans parce qu'il regarde du mauvais côté du joueur. Je vais sortir les émotions de l'analyse, je vais t'en faire une, puis je vais te dire c'est pour ça. Comme on a fait dans les dernières semaines, là, je t'ai dit, il a dégagé ses gants en avant, il suit mieux la rondelle, il est revenu à la base, il joue un petit peu plus profondément, il a plus de précision dans ses déplacements. Tu arrives avec un argument, puis tu me dis, princesse, on le protège, puis tout, puis moi, je décroche complètement. Fait que, tu vois, là, j'ai pas voulu passer de commentaire, puis je veux. Les haters, puis c'est correct, je respecte l'opinion de tout le monde. Mais il s'appelle Carey Price. Ça, c'est un fait. C'est pas des émotions. À l'appeler princesse, ben c'est ça. C'est comme ceux qui l'appellent Jesus Price de l'autre côté. Là. C'est ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Exact. OK, question rapide sur Facebook. Je la pose aux deux. Puis... Attends, Doug, je vais répondre. J'allais juste dire,
Si vous m'invitez plus souvent, les gars, je vais m'habituer à comment ça fonctionne, cette patente-là. J'allais dire, c'est que Price, il sera toujours gagnant, il sera toujours perdant. Il peut jamais gagner tout le temps. Il pourra jamais perdre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont placés avec lui depuis toujours et qui vont rester fidèles à lui. Et il y a des gens qui, malheureusement, sont fidèles à le détester. Puis je trouve ça triste. Mais de l'autre côté, c'est juste qu'on n'est pas pragmatique parce que c'est des émotions qui embarquent. C'est pour ça que tout le monde n'est pas autant polarisé. Puis je trouve que le sujet que Marc a amené aujourd'hui est tellement important. Ça nous fait réaliser comment on l'est pour réaliser dans notre vie, dans plein de choses. C'est vrai. Exact. Puis il y a un habitué sur Facebook, Patrick Guillet, demande, puis je pose la question à vous deux, est-ce que quand, il dit, je vous écoute là, tout ce que vous dites, est-ce que Carey Price serait plus performant dans un petit marché parce qu'il y a moins d'attention, moins de pression médiatique? Marc? Non, j'aime mieux le doc parce que ça me fascine aussi. C'est une question que j'aurais. Miroir. Okay, OK, vas-y. Non, Marc utilise son miroir. Moi, je Carey Price serait probablement, et là, je pèse mes mots, mais peut-être plus heureux parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas être sous la lumière. Puis Montréal, bien, il y a beaucoup, beaucoup de réflecteurs sur lui. Là. C'est pas comme arriver dans un point de presse où il y a juste quelques journalistes. Là. C'est plein de gens. Je suis pas sûr qu'il aimerait pas mieux être dans un endroit où il y aurait moins d'attention sur lui. Est-ce qu'il performerait mieux? Ben, moi, j'ai toujours cru qu'un athlète heureux performe mieux. Puis je pense que lorsque ça va bien, il n'y a aucun problème. Ici, il est encensé, il va aimer ça. Et quand ça va moins bien, ben, ça devient excessivement difficile pour lui parce qu'il doit faire face à quelque chose qu'il n'aime déjà pas. C'est pas qu'il n'aime pas les médias, mais c'est pas dans sa personnalité. Il c'est certain là, qu'il ne viendra pas travailler à RDS à la fin de sa carrière, j'en suis convaincu. Mais non, ça c'est sûr. Ah non? Hey, mais non, je, de toute façon... là, par exemple, je vais renchérir là-dessus, OK? T'sais, vous le savez, là, à travers les années, je le connais parce que j'ai joué avec lui un peu Price. Fait que j'ai eu quelques entrevues à faire avec lui où c'est moi qui menais l'entrevue. Et là où il m'a donné ses meilleures réponses, c'est quand je lui ai posé hors champ, hors micro, les questions sur sa famille, puis qu'on a parlé de son implication avec les Premières Nations. Quand on a parlé de comment il avait fait pour se préparer à la prochaine saison, il est allé dans le bois se reposer, il a commencé le yoga. Là, dans ce temps-là, là, il souffre. Mais quand on revient au hockey, là, c'est comme si la cassette appartait. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que, je sais que je réponds pas à la question, là, mais je vous donne une ouverture dans l'âme du gars, de la personnalité publique qu'on connaît. T'sais. Marc, ouais, est-ce que tu as l'impression? Mais Marc le connaît personnellement, puis moi aussi. Moi, je souhaiterais que les gens puissent le connaître personnellement. On le connaît comme gardien de but du Canadien, c'est correct, mais comme personne, c'est exactement ce que Marc vient de décrire. Moi, j'ai eu des conversations incroyables avec ce gars-là. C'est une personne qui aime son monde. C'est un gars qui est un très bon coéquipier pour les gens. C'est un bon Jack. Sauf que quand on le met dans une autre chaise, dans celle où là, il y a tout sur lui, mais il aime pas ça. Puis c'est vrai que c'est la cassette qui part. Mais c'est pas ça qui est en dehors des médias. Puis, parce que tu sais, Marc, hein, à un moment donné, tu vas répondre aux questions hockey, puis il y a quelqu'un quelque part qui attend juste que tu dises quelque chose pour le mettre dans un autre contexte puis te poigner. Fait que c'est rendu que les gars sortent la cassette parce qu'ils sont écœurés là-dessus. Ouais, vas-y, Yann, je t'avais une question. Écoute, honnêtement, là, je pensais pas ouvrir, c'est pas une boîte de Pandore. Moi, je trouve que c'est un coffre au trésor. Moi, j'écouterais le doc nous parler de ça. Tu sais, je trouve ça intéressant. Puis regarde, les gens réagissent aussi. C'est différent de forecheck, backcheck, puis zone neutre, là, tu sais. Oui, tout à fait. C'est le fun, mais oui. Non, mais c'est le fun. Puis sais-tu quoi? Ça m'amène à une autre réflexion, les gars, puis je vous en parle, là. Vous me direz ce que vous en pensez. Tu sais, je sais, là, que vous allez me dire, non, mais c'est sa job. Il est gardien de but dans la Ligue nationale. C'est le joueur le mieux payé du Canadien. C'est la vedette. Ça vient avec. Je suis d'accord. Mais je vous écoute parler depuis tantôt de sa personnalité puis le genre d'individu qu'il est. Puis on le sait que c'est un bon gars puis un bon père de famille. Mais lui, là, 24 heures par jour, il est sur le spot.
il n'y a jamais de break. Mm-hmm. Tu sais, nous, là, on est dans les médias, c'est un peu notre choix aussi. Tu sais, on se fait reconnaître, on se fait parler, tout ça, mais c'était notre choix. Lui, c'est pas dans sa personnalité. Fait qu'à quelque part, à un moment donné, ça doit venir lourd. Puis quand il se retrouve dans son bois au BC, il est probablement, là, super heureux parce que il a la paix, il est tranquille. Je suis pas en train de dire que c'est l'enfer quand il va faire son épicerie, mais à quelque part, 24 heures par jour, 7 jours par semaine durant la saison de hockey, ce gars-là n'a jamais la paix. Ça doit être lourd à porter, ça aussi, Sylvain, comme au quotidien, pour n'importe qui dans la vie, là. Même si tu veux ça et tu es au sommet de ton art. Tout le monde qui doit toujours être à contre-courant de ce qu'il est vraiment profondément, c'est très difficile à vivre. Quelqu'un comme toi, c'est Yannick, ça. Si on te laissait chez vous, à ne plus parler à personne, être tout seul, puis plus parler à toute ta gang, ceux que tu aimes, parce que tu es un gars qui adore être avec des gens, bien, tu vas faire une dépression. Si au contraire. Ben, je trouve ça dur avec la COVID, c'est ça? Exactement. Mais lui, imagine qu'à chaque jour, il est un peu à contre-courant de sa personnalité. Il a eu un talent, il a travaillé très, très fort. Il se retrouve maintenant, lui, à garder les buts. Mais c'est pas ce qu'il a choisi d'être sous les médias. Fait que ça correspond pas avec sa personnalité. Fait que chaque jour, ben, c'est difficile dans ce sens-là. Mais hey. Il y a beaucoup de respect pour les gens. Il y a beaucoup. Quand il répond un peu plus sec, tout ça, c'est que il sait plus quoi dire, c'est certain que ça le positionne mal là, de faire face toujours à ça à chaque jour. Les gars, je peux-tu juste vous lire un autre commentaire incroyable, puis après ça j'ai fini. Je pense vraiment que lui, là, il vient de sortir un très bon point. Il a tout écouté de notre discussion. Jamie Charles qui écrit « Les gars, j'ai l'impression que le moment où Price était le plus heureux dans sa carrière, c'est quand Subban était avec le Canadien, car il avait toutes les lumières sur lui. » En parlant de PK. C'est pas bête, là. C'est une bonne réflexion, en tout cas. Génial. Les gens sont vraiment allumés. Là, j'adore ça. Ouais, ben, c'est une bonne réflexion. Je ne l'endosserai pas à 100% parce que moi, je vais te parler d'un concept d'équipe, OK? Parce que, tu sais, là, on a parlé d'un athlète plus précis. Non, mais on a parlé d'un athlète plus précisément, puis c'est bien. Et autant l'athlète doit-il être égocentrique, il doit aussi se rappeler de sa place au sein d'une formation. Puis des joueurs comme Subban, au moment de son summum, moi, je le compare à un gars comme Brett Hull. Un gars comme Brett Hull, quand c'était la personne clé à Saint-Louis, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas passé proche, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était son équipe, puis ça marchait comme il voulait. Il jouait où ce qu'il voulait sur le power play. Il jouait le nombre de minutes qu'il voulait. Il jouait avec Adam Holt, il jouait avec qui il voulait. Quand il s'est en allé à Dallas, là, il y en avait une gang pour dire de se fermer la boîte puis de jouer au hockey. Mais il avait besoin de Brett Hull. Donc, tu sais, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je trouve que c'est un concept beaucoup plus large. Puis moi, je vais finir aussi là-dessus parce que je trouvais intéressant la question au Doc. Puis lui, il a l'expertise, puis moi, j'ai l'expérience, là, peut-être, mais... De compartimenter, c'est tough en tabarouette. Parce que moi, là, quand j'arrêtais pas un ballon de plage à Tampa, là, puis que je me faisais huer, là, je savais que mes intentions, ma préparation étaient encore bonnes, mais c'était difficile de pas transférer ça à ma famille quand t'arrives à la maison. Puis c'est là que tu te remets en question. Parce que là, tu te dis, t'as peu, là, lui qui est dans la bassinette, là, que j'ai perdu 8-0 ou que j'ai un shutout de 50 shots, là, il s'en fout, là. Lui, il est juste content de voir papa qui arrive d'un voyage de 8 jours. Fait que, tu sais... Il y a toujours cette dualité-là, puis de compartimenter. Là. Moi, je pense que j'ai fait une bonne job dans ma vie, mais c'est pas toujours évident. Puis je mets au défi les gens. Là. Vous soupez là, avec du monde, là, ben là, pas là, là, c'est pas vrai. Mais quand on soupe avec du monde, ils nous parlent de leur job. Ils nous parlent de. T'sais, c'est quasiment ça, le hockey aussi. C'est de compartimenter, de sortir le bon tiroir au bon moment. Fait que voilà, ça, c'est mon expertise en psychologie sportive. Mais je vous le dis, là, je pourrais en parler tout l'après-midi s'il n'y avait pas une game à soir. Le point que tu amènes, Marc, est vraiment important, puis c'est vrai pour tout le monde. On dit notre vie professionnelle, notre vie personnelle, mais ça me fait rire, moi, parce que les gens ont plusieurs vies, ça veut dire qu'ils ont des problèmes de personnalité multiple. Ça, on est la même personne, peu importe où on est. Donc, si je suis heureux au travail, il y a de fortes chances que j'arrive chez nous, que je vais être heureux. Si je suis malheureux au travail, il y a de fortes chances que j'arrive chez moi et je sois malheureux. Si je suis heureux chez moi, ça se peut que je vais aller au travail puis ça va mieux parce que je suis heureux. Je suis la même personne. Ma tête n'arrête pas parce que je suis à un endroit plus qu'à un autre. Donc, lui, dans sa tête, il fonctionne de la même façon. Quand ça va bien, c'est comme si tout va bien. Puis quand ça va mal, c'est comme si tu tombes dans du sable mouvant.
ou plus tu essaies de t'en sortir, PC. Puis c'est souvent ce qu'ils vont essayer de faire. Les joueurs vont essayer de changer des choses. Et hey, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et plus ils essayent de se changer, plus ils essayent de changer des choses, moins ils retrouvent l'essence de qui ils sont profondément. C'était belle fun. Écoutez, on voulait parler des sujets polarisants. Visiblement, Carey Price en est un parce qu'on était là-dessus. J'ai essayé d'amener ça sans prolongation, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je te dis? J'ai essayé, mais Carey Price aurait gagné la panne. Marc, on va te laisser aller parce que tu as une game de hockey à soir en 80 caméras, 5G, 2K, 24D. Yes, sir? Vision 5G RDS. Ce soir, une première canadienne. Thank you, Marc. Sylvain, c'est toujours un plaisir. Merci. Merci, Mac. Merci beaucoup. Puis le doc, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Salut, Sylvain. Bye. Salut, Mac. Bon match ce soir. Salut, doc. Merci. C'est moi. Ouais. Salut, boys. Tu sais, moi, Martin, là, des shows comme ça, là, j'adore ça. Je viens de te l'écrire d'ailleurs. Là. Moi, j'adore vraiment ça. On va ailleurs, on va en profondeur. Les gars, tu vois que Mac est passionné par ce sujet-là. Avec Sylvain aussi, c'était vraiment bon. J'espère que les gens apprécient. On voulait faire ça un petit peu différent. Bon, on va essayer ça le vendredi, des fois, de faire ça différent, avec des invités différents. Puis je pense que ça a bien fonctionné aujourd'hui. Oui, on avait eu les vendredis anecdotes, les gens demandaient. Fait que, des fois, on essaye des choses, c'est du essai-erreur, mais je pense qu'aujourd'hui, ça faisait longtemps que Marc en parlait, puis il l'a eu. Des petites nouvelles de hockey avant qu'on se laisse, Moyan, Thatcher Demko, certainement le goaler le plus hot de la Ligue nationale de hockey présentement, sera devant le filet pour les Canucks de Vancouver ce soir contre le Canadien de Montréal. Jouera-t-il le 2-2? C'est une belle opportunité parce que si le Canadien réussissait à battre Demko ce soir avec Jake Allen, Price demain contre. Les Canucks de Vancouver, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, ça va de l'avoir. Oui, c'est ça. Fait que ça pourrait être bon. L'autre nouvelle, Tanner Pearson, blessé du côté des Canucks de Vancouver, sera en absence de 4 semaines, donc ne sera pas là ce soir. On dit que Jimmy Vasey, que les Canucks ont réclamé au ballottage, ainsi qu'Antoine Roussel, seront de la formation pour les Canucks de Vancouver. Bien sûr, ce match canadien-Canucks sera présenté sur nos ondes à RDS. Oui, enfin, des matchs à 19h, ça va être le fun. On va se coucher moins tard que dans les deux dernières semaines. Hey, merci beaucoup à Marc-Denis. Hey, merci à Sylvain Guimond. Oui? Gros, ça va être la première fois qu'on regarde un match de hockey puis que le soleil n'est pas couché. Hey, c'est vrai, avec le changement. Ben oui, t'as bien raison, ça va commencer. Oui, ouais, t'as raison. C'est vrai, oui, c'est correct. Il fait encore trop froid pour l'écouter à l'extérieur, mais dans pas long, c'est ça qu'on va faire. On va prendre la téléfibre et on va déplacer ça à l'extérieur. Hey, un gros merci donc à Marc. On tentait de faire une histoire de météo, là, nous autres. Ouais, on vient de se faire traiter de Colette par notre réalisatrice. Mais elle a raison. Mais c'est vendredi, il fait beau, c'est le fun, c'est le week-end. Merci à Sylvain Guimond, merci à Marc Denis, merci à Valérie à la mise en onde, réalisation, Tim aux médias sociaux. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS et à vous tous, les jaseux, d'avoir pris le temps de nous écrire et surtout de nous suivre à la télé, Facebook, RDS.ca, YouTube, peu importe. Un gros merci à tout le monde. Et mon chum, comme à l'habitude, on y va avec les 3 étoiles du jour. Oh yes! Je sais même pas si je n'ai donné une. Tu vois comment c'est que c'est? La 3e étoile, the third star du Facebook RDS, Maxime Brodeur! La 2e étoile, the second star du Facebook, on jase, Richard Fournier! Ouais, et les gens de la page on jase, vous m'excuserez, j'ai visiblement oublié d'envoyer mon choix. Tim. La 1e étoile, the third star du Facebook RDS, Thierry Fafa! Ouais, ben là, écoute, à partir de lundi, je vais me demander aux gens sur le RDS.ca de me suggérer des noms. Écoute, Tim me l'a demandé, mais je devais être en full screen sur le doc, puis Marc, j'ai pas vu l'heure, j'ai pas vu la demande, puis j'ai pas envoyé de nom. Fait que les gens sur le RDS.ca, je suis sincèrement désolé, c'est pas parce que vous en méritiez pas une, c'est parce que j'ai fait un Martin de moi-même, c'est-à-dire j'ai erré, j'ai été distrait. C'est ça que j'ai fait. Un gros merci d'avoir été là, merci à tout le monde. On vous aime, on vous embrasse. Prenez soin de vous autres en fin de semaine. Soyez prudents. 2 matchs canadiens. Fait qu'on va avoir plein de choses à jaser lundi. Yannick, à ta mère, à ma mère, puis à tous les fans de On Jase, à lundi.